yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lightest to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Bonjour tout le monde, c'est Flifix. Aujourd'hui on se trouve pour un tuto de CC. Donc vous m'avez beaucoup demandé ça, donc aujourd'hui on le fait, c'est parti. Donc sans attendre, on va du coup commencer. Donc pour ma CC, j'utilise toujours deux calques. Donc c'est parti, on va créer deux calques. Hop, hop. On va créer deux calques. On va mettre Lux dedans, bien sûr. Je pense que ça me paraît un peu logique. On va mettre Lux dedans. Donc la CC. Et on va commencer. Donc on va juste désactiver. Enfin, je vais désactiver mes CC de base. De cette intro qui est à Marat, enfin duel avec Marat. Et c'est parti. Alors pour ma CC, j'utilise peu de choses, donc ça va, je pense être un tuto assez vite fait. Donc voilà, subject, on va faire du coup un contraste, un curve, un spot, un spot, un contraste, un hue saturation, un curve, un pop et un fill light. Non, pardon, un spot fill. Sur diffusion, bah vous mettez diffusion, enfin 3 diffusions, 2 light flex, 1 star filter. Donc 3 diffusions, 1 light flex, 1 star filter. Ici on va mettre 2 waste flare ou 3 comme vous voulez, c'est à vous de choisir. Moi généralement j'en mets 3, enfin 2. Enfin bref, parce que de toute façon il y en aura 4 dans la deuxième CC, enfin le complément de CC. Mais du coup, mettez soit 2, soit 3. De toute façon, ça sera presque la même chose. On va presque pas les voir de la manière qu'on va les faire. Magnetic Flare, Edge of Ness, et puis Vignette. Caméra, on va faire un petit spot, un petit expure. Et je crois que c'est tout. On peut mettre encore un cœur si vous voulez. Ici, on va mettre un coloris Sat Reese Way. Ici, on va mettre un contraste, un expure. Un hue saturation, un chromatique, un curls. Pour faire la CC, on va tout simplement désactiver ces putains de vignettes. Edge of Ness, Star Filter, Light Flex and Diffusion. On va les désactiver tous, parce que c'est un peu moche. Donc voilà, c'est parti. Donc, pour le contraste, enfin pour le premier curls, on va l'augmenter comme ça, regardez. Comme ça, on va faire une petite courbe. Petite courbe comme ça, hop là. Voilà, comme, parfait les gars, parfait, voilà, parfait. On va faire une petite courbe comme ça. Un peu petit, hop, voilà, comme ça, une petite courbe. Ici, on va simplement augmenter un petit peu, qu'on voit à peu près plus de texte. Le contraste, on va pas y toucher pour l'instant. Enfin, oui, on peut augmenter un petit peu le contraste si on veut. Le hue saturation, on va pas y toucher parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Enfin, pour l'instant, ici, on va le diminuer comme ça. Enfin, non, on va presque même pas le diminuer. On va le mettre comme ça. Et ça, on va le augmenter. Ok, pour les diffusions, on va mettre un avec la couleur. Enfin, comme moi j'ai 3 couleurs, enfin ouais, je vais mettre du coup pas les couleurs de mon intro. Hop, celui-là on va le laisser comme ça, celui-là on va l'augmenter et celui-là on va diminuer le grade et on va l'augmenter légèrement. Donc à peu près celui-là 100, celui-là 49 et dans le grade 3 et puis 2.70. Le light flex on va le mettre de la couleur de mon intro. Hop. Je vais le mettre à peu près à moins 9 ou à moins 8, ça dépend la couleur qu'on veut donner. Pour le style filter, on va le mettre. Déjà, on va diminuer ça. Voilà, on va diminuer le boost maintenant. Parfait, on va le mettre à la couleur de l'intro. Et c'est parti. Le waste flare, on va mettre un. De la couleur de l'intro, encore une fois. Enfin, les deux de la couleur de l'intro. Si vous avez plusieurs couleurs, jouez avec les couleurs. Le mat, box size et le shader, dans les deux, on va diminuer à 0 pour qu'il n'y ait pas de bord dans notre Waze. On va du coup aussi mettre la barre du noir, on va la descendre jusqu'au noir ou presque. Le chromatique, on va diminuer ça jusqu'à qu'on voit les petites barres apparaître. On les met presque en train d'apparaître. On va diminuer le size, diminuer le boost, on va le mettre de la couleur dans notre Waze, c'est bon. Donc là. On va juste diminuer un petit peu le boost. Voilà, parfait. On va peut-être diminuer un petit peu. Ouais, voilà, comme ça. Ça on va pas toucher encore. Expert, on va pas toucher. Ça, on va pas toucher encore. Ici, on peut du coup mettre la couleur de notre intro. Ça, je pense que vous savez faire. Hop. Je la focus plus vers la couleur ici.
bien. Le contraste, on va un peu l'augmenter. Non, pardon, on va augmenter un peu le curve ici. Non, pardon. Non, pardon. On va augmenter ici le contraste. Ici, on va augmenter le contraste. Ici, on va mettre un peu plus de texture. Mettre genre à 10. Ça, on peut mettre un petit peu. Moi, j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment bon, juste pour dire que j'en mets parce que moi, j'aime pas trop ça. Donc, généralement, j'en mets pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est bien de le mettre. Ça a une certaine qualité à l'intro. C'est toujours bien. Ok, on a plus ou moins fini. On va juste augmenter ce petit curve. On va le descendre un petit peu plus. Ouais. Ouais, voilà. Comme ça, à peu près. Je crois qu'on est plus ou moins bon. Le vignette, on va le faire. Bon, vous savez quoi, on va le faire maintenant. Moi, je le mets comme ça et comme ça. On le voit presque pas. Je trouve ça pas mal. Ici, la qualité, on va la mettre à 10. Ça, on va l'augmenter. Et on va le refermer. J'ai juste un peu plus le diminuer. Hop, comme ça. Parfait. Hop. Voilà, on a notre première base de CC. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire une petite CC. Enfin, on va faire encore une CC. Ce qu'on va faire sur cette CC-là, c'est qu'on va mettre 4 waves flare. De nouveau, vous allez devoir jouer avec vos couleurs. Moi, c'est une couleur multicolore. Enfin, une couleur multicolore. C'est trois couleurs. Enfin, deux couleurs en même temps. Donc, moi, je joue à peu près avec ça. Donc, on va faire 4 light flare. Oups. 4 waves flare. Donc, voilà. On va faire 4 waves flare. Donc là, il faudra jouer du coup avec la couleur de votre intro. Donc moi, je vais mettre ça comme ça, comme ça. Et celui-là plus vers le rouge peut-être. Ouais, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer ça juste presque jusqu'au noir. Presque jusqu'au noir. Celui-là, il est un peu trop là. Hop. Non, celui-là, il est un peu trop. Hop, celui-là, il est un peu trop. Donc vraiment juste qu'il y a un petit peu entre le noir et notre couleur. Et maintenant, on va on en prendre deux. Et on va les augmenter un petit peu. Et on va mettre le sharpness à 30. À peu près. À la finish. Donc, si vous voyez que c'est trop noir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer notre curve. Donc, ce curve-là ou ce curve-là. Ou si on a mis en contraste, je crois pas qu'on a mis. Oui, voilà. Là, on a mis en contraste. On va le diminuer. On va le mettre à 20. Voilà, comme ça. Ce curve-là, on l'a pas utilisé, donc on va le delete. Ce explorer, on l'a pas utilisé. Ça non plus, on l'a pas utilisé. Pour situation, on peut l'augmenter un petit peu. À 105. Notre petit curve, on va juste le mettre comme ça. Non, on va le... Non, on laisse comme il est. Voilà, donc je pense que c'est une bonne CC. On va la comparer à celle que je vous ai présentée au début. Hein. Donc voilà, on va... C'est presque la même CC, franchement. Ah, on a oublié un truc. Pardon. On a oublié un petit truc, les gars. Je suis désolé. On a oublié le pop. On a oublié le pop. Ça se voit de loin. Donc, le pop, je le mets à 50. Enfin, à 70. Et là, je le mets par rapport à l'intro. Ouais, donc là, je trouve qu'il est pas mal. Donc, voilà. Pardon, on a oublié le pop. Mais c'est bon, on l'a mis. Donc, voilà. C'était mon petit tuto de CC. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like et à commenter qu'est-ce que vous voulez comme tuto. Moi, je vais peut-être faire beaucoup plus de tutos ces jours parce que je trouve que vous en avez besoin, certains. Pas pour être salaud, mais bon. Du coup, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto plutôt. Et bye tout le monde!